date 21 décembre 2017, c'est avec un peu de plaisir nous entrer la caillou pour nous porter information TNH pour pouvoir soya. Bonsoir tout le monde. Pour Kounia, nous allons présenter un grand titre. Traditionnelle cérémonie officielle échange vœux déroulée mercredi 20 décembre dans le Palais national en présence représentant trois pouvoirs d'État et membres du corps diplomatique. Le ministère de l'Environnement a lancé une campagne pour porter la RUA dans l'occasion fête fin d'année et une façon pour permettre à la population de mener activité dans un espace propre. Responsable ministère touriste inauguré trois débarqués dans deux communes dans le département sud PIA. Inauguration infrastructure SAIO faite en présence de différentes autorités, parmi eux sénateur Hervé Foucan et député Akien Jean-Robert Bossé. Calfou Richesse réalisé jeudi 21 décembre dans une série exposition dans l'idée pour sensibiliser la population à un bien environnement propre et puis aider géniaux créer richesse dans le pays. Première dame République, Martine Moïse, a été visité l'activité SILA et puis encourager jeunes artistes. Et puis, Assemblée générale ONU prononcé dernière décision sous dossier Jérusalem, jeudi 21 décembre. Était avec nous, amis TNH, à Tita Campil, l'autre sujet pour le développer dans le journal pour jeudi. Bonsoir tout le monde, c'est avec page météorologique là on a prouvé côté nous pour le connaître avec météorologue William Polidor à qui le soleil a été couché, à qui le lit levé, comment l'on met à y, comment t'en y, toute information ça aussi pour tout de suite. C'est un plaisir pour me retrouver aujourd'hui encore pour prévision météorologique journée qui s'est toujours en courtoisie Centre national météorologie de concert avec OFNA qui c'est Office national aviation civile et c'est sous région Caraïbes là nous parlons comment ça y est avec différentes image nous yo sous image en vapeur d'eau ça nous gagne vraiment une masse d'air qui très sec et stable et situation ça li généré à cause de une zone de haute pression qui centré sur Atlantique Nord. Situation ça a provoqué un temps venteux et ensoleillé sur tout pays a jodi a et j'en nous carré sous image ça tout bloc sud là département de l'ouest avec centre Artibonite qui a concerné par du beau temps soleil avec vent pendant journée sauf que en soirée, il y a possibilité pour gagner quelques averses isolées sous tête dans la région nord. Mais pour l'ensemble, pour tout le pays, c'est du beau temps sous le pays parce que nous gagnons un temps qui est vraiment ensoleillé et venteux en journée et au cours de soirée. Pour capitale avec zone qui a environ l'air, nous avons capitale qui a vu du beau temps à cause de masse d'air qui sec et stable. Et ça veut dire que c'est vent avec soleil n'a gagné sous capitale avec zone qui a environ l'air. Mais il faut que nous précisions qu'il y a une possibilité pour gagner quelques petits averses isolées, mais c'est surtout au nord-est capitale là par rapport avec Brisa qui a entrepoté quelques nuages sous tête pognon qui a provoqué quelques petits averses isolées. Et pour température, son température qui a monté jusqu'à 33 degrés pour aujourd'hui, elle a fait très chaud. Et nous avons profité de la situation ça pour nous capables de prendre un petit bain et faire touriste local, faire excursion par rapport avec beau temps ça que nous jouions. Et température a descendu jusqu'à 20 degrés Celsius pendant la nuit, ça veut dire la fait très fraîche et nous capables bien dormir parce que température l'a très cool pendant la nuit là. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter sous côte nord et golfe de la Gonave, mais région sud là, côte sud là, il y a une possibilité pour la mer agiter dans fond, mais capitaine d'embarcation est capable de naviguer parce que la mer est vraiment peu agitée, pas gagner trop de soucis, il est capable de naviguer. Et pour page astronomique, jeudi à soir, elle a couché à 5h17 minutes et la pleuvée demain matin à 6h18 minutes pour demain. C'est tout ça pour prévision météorologique journée. Nous vous remercions parce que vous avez regardé nous. Nous souhaitons une excellente après-midi ou une excellente soirée. Nous vous croisons demain pour une autre page météorologique. J'ai noté annonce li traditionnelle cérémonie officielle échange vœux déroulée mercredi 20 décembre dans le Palais national en présence à représentant trois pouvoirs l'État et membres corps diplomatique là. Dans l'occasion, famille présidentielle là présenté vœux santé prospérité avec la paix
Bah, population haïtienne, non, président République là, Jovenel Moïse, dit la continuer à corriger et innover pendant l'année 2018 là, cap centré sous exécution divers projets pour développement socio-économique et politique pays. Nous invitons à suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Doyen corps diplomatique là, archevêque Eugène Martin Nugent, féliciter choix chef l'État a fait pour améliorer conditions de vie population dans différents niveaux, et spécialement dans la lutte contre corruption, mise en place caravane changement qui, d'après lui, c'est une stratégie tout neuf communauté internationale a supporté. Dans sa apostolique, il a encouragé le président chercher moyen pour couper misère et pauvreté dans la société. Vous êtes donné comme objectif de votre quinquennat de redresser Haïti en œuvrant pour le progrès, l'ordre, la discipline, de combattre les crises institutionnelles, de consolider l'état de droit, de relancer l'économie, la croissance durable, d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, de promouvoir le bien commun, la bonne gouvernance, la justice impartiale et équitable, la lutte sévère contre la corruption, le dialogue et la concorde entre les différents pouvoirs et les secteurs de la vie nationale et internationale. Nous vous encourageons dans la poursuite de ces objectifs. Président républicain Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait remarquer qu'il n'a jamais suspendu le travail pour la population en service depuis le monté sous pouvoir, ça a 10 mois. Chef l'État remercie tous les collaborateurs qui comprennent et croient dans la démarche qu'il a fait pour l'avancement du pays, et spécialement parlementaire 50e législature qui accompagne la mise en place cadre légal pour divers projets à exécuter. J'exprime le vœu que les pouvoirs de l'État ne s'épargneront aucun sacrifice en vue de la consolidation de la démocratie en Haïti. En ce sens, j'invite les partis politiques, la société civile, le secteur privé des affaires, bref, toutes les forces vives de la nation à œuvrer inlassablement en 2018 pour maintenir le momentum du dialogue initié cette année, pour aboutir à la réussite des États généraux sectoriels de la nation, mettre en place le Conseil électoral permanent, compléter la Cour de cassation, pour mettre en place la Cour constitutionnelle et renforcer le système judiciaire. Sous plan politique, président Jovenel Moïse fait qu'on ait pas de dialogue là l'ouvrir pour tout secteur. Président dit qu'il souhaitait en quel pouvoir l'État n'a pas négligé consenti sacrifice pour concrétiser le processus dialogue-là qui centré sous grand chita palais à la Ronde Badea. Chef l'État cité longue vision li gagné pour Haïti pour l'année 2018 qui a venu là dans divers domaines, tant que énergie, agriculture, environnement et investissement. Levons-nous vers pour souhaiter au peuple haïtien un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018. Et puis, une fois qu'on est ministre de l'Environnement, lancé une campagne pour porter l'ARIA. Dans l'occasion, faite fin d'année, décision ça, c'est pour permettre à la population de mener activité dans espace propre. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste. Quartier PAM propre, c'est campagne ça, ministère de l'Environnement lancé depuis mercredi 20 décembre, dans divers quartiers, dans le département de l'Ouest, pour mettre l'ARIA propre. Ministère de l'Environnement prend décision ça pour permettre maman et papa petit qui participent dans la campagne là rentrer yon ti l'argent pour yon ka répondre à yon série obligations familiales dans l'occasion fête fin d'année. Habitants yon salye initiative ça qui permet la rue arrêter propre, qui permet tout moun yon vivre en santé dans la zone yon. Pour te aller pour nous lier et on fin d'année qui rentre, il faut nous entrer dans l'année en belle quand même dans la zone. Sauf que quelqu'un qui a par rapport
quantité qui pour qui ta gagne pas gagne, ça veut dire travail là il pas suffisant. Et mon yo vraiment mobilisé pour travail là. Mon yo vraiment vraiment intéressé parce que ont besoin yo travail comme ça sous zone là. Yo remet pour zone yo rete propre parce que mon yo remet santé en pile. Moi t'as besoin pour ba nous matériel pour nous faire travail là normal parce que mon compte travail là qu'a fait là parce que là nous pas la caille nous pas marcher. Nous pas jambe de l'eau fatran là nous connaît fatran d'ab jambe notre d'ab jambe bien content travail ça nous mettez dans l'arrière pour nous faire amen pas nos outils pour nous travailler puis coller les épaules. Il représentait un apaisement social. Il représentait un apaisement social parce que par rapport à avec et ça a l'air que mon yo pral joindre là capable couvrir quelques frais pendant période fête là. Connait pendant période fête là, pas qu'être mon monter descendre à droite à gauche pour avoir espoir vu avec projet ça qui vient atterrir dans circonscription sont pas quelque bagage que les pour nous. Le ministère de l'environnement prend initiative ça pour opter la ria. Objectif là c'est nettoyer toute zone et qui concerne le ministère de l'environnement et c'est injecter l'argent dans la poche population. Activité nettoyage là c'est ramassage semblé dans un côté non près côté qui pas embarrassé population. Zone Thomasin, place Saint-Pierre, Sonmas, ces trois zones sa yo qui premier bénéficier quartier pam propre là. Cap gagner pour continuer dans diverses autres zones dans Port-au-Prince ak dans ville provinciale. Et puis la forêt tout calfou richesse réalisé jeudi 21 décembre là, une série exposition dans l'idée pour sensibiliser population à Kimbé environnement propre et puis et des jeunes ont créé richesse dans le pays. Dans l'occasion, la première dame république, là, Martine Moïse, a visité l'activité et puis encouragé les jeunes artistes à continuer à faire bel travail à faire. Nous invitons à suivre un reportage avec Rodney d'Orléans et Rémi Godjit. L'activité permet à divers jeunes qui sortent dans le quartier populaire d'exposer une série de produits fabriqués avec fatra plastique. Responsable Calfou Richesse là, Madame Rose Anne Auguste, fait qu'on ait une initiative ça, c'est pour faciliter jeunes qui pratiquent métier ça, rentrer l'argent en poche. Yo capable mettre tête yo ensemble pour yo kembe quartier yo propre, pour yo kembe quartier yo en espace côté tout le monde qui vivre là dans. C'est un peu ça exposition et en même temps tout son exposition qui là pour permettre yo créer richesse. L'atelier écologique là c'est avec très peu d'argent que yo préparé, ça y a préparé, yo juste besoin ciseaux, yo besoin fil pour yo monter toute soirée avec fil à ligature mais yo pas dépenser en pile. Et yo capable vendre ça yo fait à tout yo capable vendre balai yo parce que balai yo très c'est pas l'esprit vendre balai seulement mais c'est l'esprit transformer bouteille là qui pour pas déranger environnement et puis en même temps tout balai durable là on achète balai ça pour 50 gourdes ou bien on achète un plus gros pour 100 gourdes balai a ka fo 6 mois comparativement à l'autre balai peut-être qui fait avec la tanière yo qui capable finir là un mois et demi là balavel mais ça au ka balai là ou yo ka fait sauve lavel li très Il très robuste. Balai, poubelle pour gérer fatra, tableau, c'est quelques parmi diverses œuvres, jeunes talents en dans Calfou Richesse, t'es exposé dans l'occasion. Nous, lorsque nous regardons l'environnement, nous avons des déchets qui nuisent à l'environnement. Par exemple, lorsque nous prenons des bidons en plastique, ils vraiment nuisent à l'environnement. Et donc, nous-mêmes, nous réfléchissons, nous sommes capables de porter et support par nous. C'est aller dans la communauté côté na vivre parce que nous gagne des séries mesdames ensemble avec nous yo aller dans quartier yo parce que chaque sortie dans quartier différent yo ramasser yo qui donc lorsque nous venons avec nos ateliers qui ça nous fait nous transformer bagage ça qui ta vivre en environnement qui ta nuit environnement qui donc nous transformer yo qui soit garder là vraiment yo utile. Première dame République là, Martine Moïse, dans visite li, félicité activité ça qui d'après lui, c'est une plus bonne façon pour vendre image positive pays d'Haïti. Puis loin, première dame là annoncé l'a organisé un concours dans secteur ça. Depuis son côté pour encourager frère Maxime moi toujours là. Donc artiste en là en soi c'est lui-même qui pour aider nous vendre Haïti. On Haïti faut nous bailler une autre image de lui. Quand nous suspendons montrer ça qui nous gagne qui négatif parce que tout le monde gagne ça qui négatif là quand nous. À nous vendre positivité, à nous vendre ça qui positif. C'est ça que fait il a fait
exposition ça là, me dit non, pas capable venir même si j'ai l'autre activité, faut me créer un temps pour artiste parce que moi j'ai intention de faire un concours pour yo dans divers domaines. Même attendre que je suis avec l'autre artiste qui connaît le domaine là, parce que c'est pas domaine même pas artiste, je voulais aider la donne pour aider monter ça pour aider l'autre artiste. Exposition Richesse Lacaille, c'est thème qui t'est marqué activité si là. Et puis choléra, réchauffement climatique, dette indépendance d'Haïti, esclavage dans le pays Libye, c'est quelques non diverses thématiques qui t'ont fait objet de discussion 48e session Assemblée parlementaire au ACP. Président ACP pays d'Haïti a député Price Cyprien expliqué réunion ça après la gain retombée politique et économique pour pays d'Haïti. Il expliqué pendant 7 jours environ 2,5 à 3 millions de dollars américains injectés dans l'économie pays. Activité ça permet aux parlementaires étrangers de gagner l'autre compréhension sur pays d'Haïti. N'a invité au suivant un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Frisnel Toussaint. Nous avons travaillé sur un pile thématique, particulièrement nous avons travaillé sur la question esclavage en Libye, nous avons travaillé sur la question esclavage en Mauritanie, nous avons travaillé sur la question de la sécurité à travers les États ACP et l'Union européenne. Nous travaillons sur la question du réchauffement climatique. Là, pas oublier que après les accords de Paris, et nous avons signé COP21, COP22 et COP23, qui prévoit un fonds pour aider les petits États insulaires qui sont en difficulté à cause du réchauffement climatique. Là, nous connaissons Haïti identifié comme un pays qui est plus vulnérable dans la question du réchauffement climatique. Là. Donc, Haïti doit participer dans le fonds. Ça. Et Jean-Président Tédil, nous pas prêts à aller, Jean-Président Tédil, déjà en mendiant, nous prêts à aller en tant que partenaire, parce que nous, c'est de droit que le fonds ça, nous devons participer là-dedans pour permettre la reconstruction du pays. Donc, nous avons profité de l'occasion en tout, parce qu'il y a des questions qui intéressent vraiment l'État haïtien. Question choléra, nous avons profité pour nous demander tous les parlementaires dans 106 pays qui étaient présents en Haïti, c'est-à-dire 79 délégations pays ACPO, plus 27 délégations pays européens, nous demandons pour être solidaires avec nous dans le combat que nous avons mené pour nous faire et Nations Unies dédommager toutes victimes de choléra en Haïti. Nous connaissons que choléra a été finalement identifié que ces Nations Unies qui étaient venues. Donc, Ban Ki-moon te promet pour lui indemniser toutes victimes de choléra en Haïti. Mais nous connaissons que jusqu'à présent, l'indemnisation s'est arrêtée lettre morte. Il n'a jamais arrivé atterri. Donc, nous demandons parlementaires ACPO, parlementaires Union européenne, pour aider nous atterri avec indemnisation dans la question de choléra. Donc, nous passons sur la question du réchauffement climatique. Là. Et dans assise ça tout, dans le discours président pays a été prononcé, avec le discours du président Chamio a été prononcé, nous avons retourné sur la question de l'indépendance que nous avons fait et nous avons demandé aux parlementaires pour nous battre un petit coup de main pour l'agence que nous avons payé, nous avons mal payé, parce que nous avons bataillé pour nous gagner l'indépendance, nous, pour nous battre un petit coup de main pour nous voir si nous arrivons vers nos solutions, quoique nous connaissons que c'est par voie diplomatique que nous devons avancer avec le dossier ça. Donc, en fin de séance, parlementaire ACPO avec l'Union européenne, j'étais très content de l'assise qui était faite en Haïti. Contrairement à l'image que j'étais venu de Haïti avant, j'ai même dit que c'est sinon, c'est seule assemblée paritaire ACPO qui réussit, j'en réussis hein, en Haïti. Vina Fokone Coupe présidentielle a organisé une fête pour personnel Paléa et Famille. Journée jeudi 21 décembre, non jardin Paléa. Dans l'occasion, un président République a distribué prime à cadeau par personnel. Là. Parmi les cadeaux, il y a un lot 28 motos, four frigidaire avec un ventilateur. Petit employé a plusieurs élèves de l'école nationale recevoir jouette dans mes coupes présidentielles. Là. Président République, là, Jovenel Moïse, dans micro Sabine, Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Je salue première dame. Non? Petite parmi eux qui là, donc vini, même Jacques nous, qui pour vini fêter parce que nous sommes deux premiers employés pays, deux premiers employés palais. Nous vini là, nous vini avec petite nous tout le monde vini fêter ensemble. Et
sentiment pas aujourd'hui à 10 mois après me rend compte que nous déraper pour nous travailler pour nous guider dans l'autre pays pour nous nous-mêmes qui devant nous. J'aime toujours dire pas une génération spontanée, ça veut dire ti moun nou aujourd'hui pour nous venons on pays meilleur demain, c'est grand moun yo pour commencer travailler pour nous. Ça veut dire président faut prendre gros décisions, parfois il y a des décisions le prend. Il y a grand monde qui pas content mais faut décision au point pour que dans 25 30 ans qu'a venir là nous-mêmes nous pas répondre venir prendre place maman ou papa nous. Nous pas répondre venir prendre place pam pour nous quitter un pays qui paraît pour recevoir nous tous. Et c'est pour ça que je prends une grosse décision aujourd'hui. Pour me dire, tout petit employé qui n'a pas le national, mon petit monde qui n'a ULGBN, petit policier dans quatre teams, dans USP, employé civil qui est dans le palais, petit yo tout, petit petit personnel, petit au cadre, je dis à nous tout faisons dans fait ça. Nous tous mélangés pour nous fêter Noël là, année ça, dans le palais national. Et je profite pour me dire nous, l'autre, ça me pote dans Noël là, année ça, je me dis, mettre sous pied un gros raf qui pourra le faire pour tout le monde avec chaque unité. D'après, j'en demande pour ça organiser, yo chaque pral gagner en catégorie de prime. Quel est le PSGPN, le CAPTIM USP, le petit personnel là, cardio, nous pral gagner en catégorie de prime. Et nous pral faire raf ça, non ambiance festive, c'est un coup de timon. Nous connaissons un choix qui va le faire pour ce timon qui pour choisir dans le rouleau qui est ce qui va le gagner. Autocyclette, frigidaire, four à gaz, qui est-ce qui va le gagner ventilateur? Je dis. Mais ça, m'a dit grand monde, parce que je ne suis pas là, petit monde. M'a dit tout collaborateur, collaboratrice, qui n'a pas l'air. Pour qu'on ait aujourd'hui, j'aime te dire depuis le premier jour, je suis venu ici, il y a un frère. Parfois un petit frère, parfois un grand frère. Ça dépend de l'âge. Il y a un samavon qui n'a pas l'air. Un frère qui connaît le problème. Comprendre ce qui a passé parfois dans la vie. Mais nous connaissons que le pays a un problème en pile. Ce n'est pas tout ça nous gagnons comme problème qui va résoudre. Mais je nous connais Noël, c'est fait partage, c'est fait l'amour, c'est fait pardon. Nous arrivons dans un moment là pour nous partager. Ça nous gagne pour nous partager ensemble l'amour, l'esprit de sacrifice. Ça, yon remet l'autre là. Nous arrivons dans un moment pour nous partager. Voilà, les amis TNH, nous arrivons dans un moment pour observer la pause commerciale. Nous obtenons dans un petit moment. Nous poursuivons avec information. L'administration communale Port-au-Prince a organisé mercredi 20 décembre un séminaire formation pour journalistes sous gouvernance locale. C'était occasion pour journalistes qui ont fait des passements, regarder avec intervenants, fonctionnement mairie Port-au-Prince, travail à faire, relation avec l'autre instance dans l'État, difficulté
qui empêchait la répondre à la mission. Et puis, j'ai fort à faire pour améliorer la qualité de service qui a offert à la population. Il y a un compte rendu Rachel Saint-Fort avec Widmaier Louis. Permettre journalistes de gagner information sur le fonctionnement de mairie Port-au-Prince dans l'idée pour permettre de bien informer la population sur l'action et mission institution. Ce principal objectif organisateur, c'est l'information pour les journalistes sous gouvernance locale. Nous avons les médias qui sont le principal vecteur d'information. Et public là lui-même, ou bien population, les consommatrices d'informations publiques, et ces médias justement qui communiquent l'information qui rend au public. Donc, nous avons intérêt dans la gouvernance locale là pour essayer de faire en sorte que les médias disposent des bonnes informations. C'est-à-dire qu'on est qui ça la loi prévoit pour telle institution fonctionner, qui ça mairie là pour le faire, qui institution qui travaille en complémentarité avec la mairie et qui travaille la loi, qui statut juridique y a chaque gain. Attendons, n'y pas l'autre que espérer gagner de nouvelles pratiques journalistiques qui développent à travers les médias, côté que les médias ont représenté les municipalités au mieux, a représenté mission institution au mieux. Pour que ça me dise ça, c'est parce qu'on gagne la mairie qui, par exemple, c'est pas principale institution qui l'a pour gérer Fatra. Or, nous avons toute frappe, par exemple, en mairie Cabran ou bien au conseil municipal avec magistrat qui est en tête li, c'est sous question gestion Fatra qui légalement pas même relevé de compétences de la mairie. Séminaire information, ça a été occasion pour différents intervenants parmi les responsables de la mairie Port-au-Prince, partenaire national ou international, partager avec journalistes, connaissances sur gouvernance locale. Coopération décentralisée, gestion Fatra, gestion taxe, accès à l'information, enjeu gouvernance locale et couverture médiatique, ces différents points intervenants développés dans l'occasion. Nous voulons aider Maria pour percevoir taxes, parce qu'elle a besoin autonome financièrement, si elle veut bailler un bon service pour la population. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons aidé pour percevoir taxes, nous avons aidé pour gérer, bien gérer l'argent, bien gérer les ressources humaines, bien gérer les ressources matérielles et pour qu'ils aient un bon service. Actuellement, Maria est très coopératif. Ils veulent travailler avec nous. Ils ont avancé rapide. Ils ont travaillé en pile. Donc, nous avons fait en pile avancé, en pile expérience qui réussissent. Par exemple, nous avons reconstruit quelques écoles. Et c'est Maria qui t'a aidé nous là-dedans. Nous avons fait un gros recensement sur 52 000 immeubles à Port-au-Prince, mais c'est Maria qui t'a fait. Nous-mêmes, nous fait que appuyer Maria. Donc, c'est un programme d'appui institutionnel. À travers l'activité ça, organisateur a visé un changement de comportement bon côté population par rapport à mairie Port-au-Prince. Je souhaitais journalistes permettre population puis bien comprendre travail mairie a fait avec nécessité pour citoyens impliqués dans l'effort qu'il a fait pour améliorer la qualité de service. Une fois qu'on est Jean-Pierre installé jeudi 21 décembre, non, ministère Affaires sociales, comme directeur main-d'œuvre, c'est directeur général ministère Didier Rivo qui possédait avec l'installation. C'est là, nouveau directeur a remercié ministère Affaires sociales, Stéphanie Auguste, pour choix li fait de lui pour diriger direction ça. Nouveau directeur a dit qu'il comptait sous collaboration, tout collaborateur li pour lui arriver à faire travail ça qui n'est pas facile. Un extrait. Ce poste n'est pas un cadeau qui m'est offert sur un plateau d'argent, mais c'est un poste qui constitue un défi de plus dans ma carrière en tant que professionnel et que je tâcherai par rapport à ça de remplir mes responsabilités avec tact et loyauté, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs dans mes expériences antérieures. Je voudrais aussi vous dire que je compte beaucoup sur la collaboration de tous, mes collaborateurs immédiats, mon directeur général qui est avec moi, pour pouvoir faire ce travail que j'estime n'est pas du tout facile, parce qu'on parle de développement de la main-d'œuvre. Et par rapport à ça, je dois vous dire qu'aucun pays, et Haïti particulièrement, ne peut prétendre se développer si on ne peut pas assurer la compétitivité de la main-d'œuvre, la formation de la main-d'œuvre, le placement sur le marché du travail. Là, je parle surtout de l'axe d'insertion et d'intégration de nos jeunes professionnels sur le marché. Et que par rapport à ça, j'espère profiter de mes expériences antérieures, j'espère capitaliser sur ces expériences-là pour pouvoir faire ce travail-là, mais tout en comptant aussi, comme je viens de le dire, sur mes collaborateurs au niveau de la direction de la main-d'œuvre.
Et directeur général ministère des Affaires sociales, Rudy Rivo, profitez occasion pour lancer un message solidarité par la population en période fête là. Les faits qu'on est, il y a toute disposition qui prend pour accompagner la population pendant la période fête là. On suit. Nous connaissons que nous avons une période très spéciale puisque c'est période Noël, fête de fin d'année. C'est souhaiter à tous nos compatriotes eh bien, de joyeuses fêtes. Pour que vous capable de connaître, rappeler d'abord que vous pas pour koyo. Et malgré les difficultés de, au quotidien que vous fait face à vous pas pour koyo. Vous gagné un bon côté, un chef l'État solidaire et qui connaît que faut que li accompagne population ça et qui commence à faire nous capable dire avec un pile engagement, un pile dynamisme, un pile sérieux. C'est son Excellence Jovenel Moïse, président de la République. Il y a aussi un Premier ministre qui est là, qui a implémenté la vision de mutation sociale du président de la République, qui est le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et ça, c'est le premier élément pour être capable de rappeler que, à tous les compatriotes nous, que, eh bien, sommet l'État à bon côté, l'ensemble avec eux. Et deuxièmement, pour dire tout, dans un moment ça, dans un moment très spécial ça, il n'y a pas pourquoi. Il y a des dispositions très concrètes qui prend au plus haut niveau de l'État pour que gagnent un encadrement, un accompagnement spécial pour nos frères et sœurs qui vivent dans la précarité, qui dans une situation de détresse et de désarroi que nous tous connaissons, surtout au niveau des quartiers difficiles, des quartiers populaires de ce pays. Nous pas pourquoi. Nous pas pourquoi non, parce que le président qui pensait à nous. Il y a des activités concrètes pour la période fête là, Capral là, pour permettre que frères et sœurs, justement, qui sont dans une situation difficile, ça, eh bien, ils joignent un accompagnement, ils joignent un support, ils joignent un encadrement, et que gagnent une solidarité très active, très agissante, qu'il n'y a pas de gagner pour bénéficier de lui. Plusieurs organisations plantaines en vallée de la Tibonite organisé en marche pour saluer le travail au-delà de BR Picard et en plantaine en vallée qui crée plusieurs variétés de riz. Ils ont expliqué que ça, c'est pour honorer le travail agricole, ça, courage li, et puis détermination. Ils ont extrait le micro, TNH. Eh bien, n'importe encadrement, tout côté qui vient capé agriculture. Aïe Bobo, pour le président Jovenel Moïse. Qui vient avec caravane changement ça. Caravane changement, c'est caravane changement paysan, c'est caravane changement agronome, c'est caravane changement électricien, caravane changement charpente, caravane changement tout le monde. Quand on a regardé priorité, président Jovenel, c'est agriculture. Et bien nous-mêmes, ingénieurs agronomes, nous pas arrêter bois croisés. Il faut rentrer dans la bataille là. L'arrivée Saint-Domingue, tant qu'aujourd'hui vendredi, tout ça, Dominique, va nous y aurait le retias de chers. Est-ce que nous arrêtons comme ça? Est-ce que la Tibonite nous arrêtons à l'acheter des chers? Est-ce que nous arrêtons dans le retias? Eh bien, c'est développer l'agriculture là pour nous capables de payer à manger. Les dirigeants là, fait ici, ils vont dans tout marché à travers ici. Beta, même gens, Dali, même gens. Eh bien, si on s'y porte pour une beauté, nous obligés de venir dans le département de la Tibonite là pour nous bailler s'y porte, pour nous bailler courage, nous force nous pour nous travailler. Mais c'est ça lui-même, quand il crée quatre variétés, c'est un bagage qui est facile pour tenter les Haïtiens à améliorer la variété. Alors, l'activité, c'est non seulement c'est pour gratifier les Haïtiens et pour porter renfort à ce qui est agricole dans la Tibonite. Nous parlons non seulement encadrer eux, renforcer l'organisation qui existe déjà yo, et puis créer l'organisation côté sa mandé. Devise non objectif non c'est améliorer conditions système gens agriculture là a fait là. Donc par exemple non là pour tout le monde qui a fait bagaille de bien depuis mon lancé travail la travail pour renforcer production nationale là nous là avec les par exemple sous prend président et j'ai encore donné tête à Dadia, si on monde qui aime agriculture, si on monde qui fait caravane, caravane de changement, nous même non là tout pour nous suivre de près, de loin, pour nous faire ça qui fait, ça qui pour corriger. Donc, et dans le contexte, ça, qui est au Péba, lui même, il apprécie le mouvement président à faire,
Et surtout, nous venons jouer Tada qui vient mettre main avec nous encore. Nous même dans OPBA, nous avons des difficultés, nous avons des difficultés semences, nous avons des difficultés pour drainage depuis la caravane arrivée à comprendre. Il y a un pile bagage qui commence à améliorer. Je demande avec autorité, la caravane de changement, c'est pour établir dans tout département pays pour que la production nationale soit capable de renforcer. Parce que nous connaissons le président sur le rythme parti là, et s'il accentue sur lui, dans 4 ou 3 ans encore, il y a un pile succès. Et OPBA a félicité le président pour une belle et initiative ça, qui s'est caravane de changement. Odalbert Picard, planteur, est honoré dans la semaine. Salut, reconnaissance, organisation planteur manifestée en faveur. Odalbert Picard, encourager planteur, continuer à travailler la terre pour remembrer production nationale. Un excellent micro, Anne-Marguerite Auguste, avec Pierre-Henri Duvigneau. Bonne ville, c'est pour elle. Je suis content, pile. Et puis, je suis découragé que ça m'a continué à faire pour toujours faire. Parce que, pour y avoir une aide qui est capable d'aider, je vais une crédit chez là, je suis dans chez là, je suis entré dans Beta, je suis dans Beta, je fais Shelda, quand je suis dans Shelda, et je pars dans Dali. Bon, ok, je voulais faire découragement, mais je ne pas faire le bac. Planter toujours un bon courage, mais on n'est pas sorti. Pour me travailler, c'est dans le redit. Son coup de poing a mal pris beaucoup de points. Pour me travailler. Ça fait dans la vie, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé même. Ligue. Mais c'est Willet, Moïse. Tada, je remercie en pile. Je vais t'espérer avec motocyclette. Je vais t'espérer ça, dit tout. Je vais arriver pour marcher sur motocyclette, je fais bac. Je vais le serrer, je fais bac, je vais cacher. C'est grâce à Tada, Moïse, qui fait me bénéficier de motocyclette, ça je veux dire. Et puis, je ne vais pas manger, non. Je ne vais pas cadeau de ma soeur, non. Je ne vais pas cadeau. Chaque jour, chaque matin, je me lève. Pour lui demander à la bicyclette, en bas de je m'entraîne dans le jardin. Bon, je me suis senti gêné. Je me suis dit 30 centièmes de terre, mettez pour être nettoyé et dire à la donne. Eh bien, ou même si je m'en vais, vos hommes me disent que ça, si je m'en vais, là, je m'en coupe et dis qui me fait couper le coup, qui me fait libérer. Je me dis, bon, depuis que je me lève, moi, je me travaille mal à l'école, moi, je ça même. Mais je ne vais non. Regardez télévision. Je ne vais pas non. Travail là, moi, je travaille là, plus loin, à faire cultive là. Pas découragé, même que la vie a vint cher, je travaille, je coûte cher, mais pas découragé avec cultive là. Et bureau avocat international Bailly, en tête collée avec l'association haïtienne droit pour environnement Aiden. Annoncé jeudi 21 décembre, non, démarche y a fait pour créer un tribunal opinion contre l'idée crime et corruption. Tribunal ça appela pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur jugement qui pourrait sortir. Initiative ça vini dans objectif pour bataille pour une société qui chita sous la loi. Maître Marie-Joseph a porté plus précision dans le micro Midray Emilia avec Fresnel Toussaint. BAI Academ a mis sous pied un tribunal d'opinion international qui pour juger les gens qui volaient, les fonctionnaires qui volaient l'argent d'État. Nous n'avons pas qu'à quitter avec le rapport Petro-Caribé, ça a quitté et quitter l'aller. Et pour qu'il passe comme une lettre à la poste, ou bien pour le passer tant pour tout événement qui a passé dans le pays. C'est corruption qui fait, pas gagner toile gaz dans l'hôpital général. C'est corruption qui fait dans Sodo, dans Mirbalet, dans des zones en dehors, nous n'avons pas gain accès à l'éducation parce que d'un côté l'État pas arrivé, l'État pas allé. Nous voilà les cunyans en actualité.
communauté internationale là pour une fois qu'on est gain une cérémonie qui est organisée en France pour un hommage à l'élève l'école qui était mort dans collision bus à train en suivant. Lorsque le conducteur bus scolaire en examen finira avec 4 collégiens au fait jeudi 21 décembre 2017. Là. 4 collégiens ont perdu la vie dans la collision qui fait dans Milas là, entre bus scolaire et yon train. Ils ont boulé l'école jeudi 21 décembre nan, dans une salle privée. Ils ont déjà boulé l'école en collégien lundi passé. Mercredi 20 décembre, nan, plusieurs moun défilé en silence. Petit village côté collégien qui perdit la vie et puis qui blessé au sauté à plonger dans gros douleur depuis tragédie 14 décembre. Nan. Enquêteurs ont toujours cherché à déterminer si barrière passage à niveau a été baissée ou soit levée, les bislal frappé à train. Gros choc train subi à la cause d'y couper en deux. Conducteur bislal en examen pour homicide et blessure involontaire par imprudence. Les mêmes tours qui toujours hospitalisés étaient dans gros tristesse d'après avocali. À mercredi 20 décembre, nan, après le fin apprendre, non plusieurs timoun qui mourit dans bislal étape conduit. Et j'ai noté annonce au lit, Assemblée générale ONU a prononcé dernière décision sur le dossier Jérusalem non, jeudi 21 décembre non. Dans votre Assemblée à 128 pays voté contre décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. 9 pays voté en faveur décision en 35 fait abstention. Et puis, Cap Moon pour Pipiti perdit la vie, une douzaine d'autres disparaît après un bateau coulé jeudi 21 décembre non, dans le pays Philippines. Naufrage ça a produit à cause mauvais temps, gros vent qui pas de suspendre soufflé. Bateau a pris 286 passagers en total, mais dans mon accident, l'État a transporté 251 monde. Gouvernement philippine l'a conseillé, habitants ont cherché un côté pour passer fête Noël là, parce que tempête tropicale Tembin a chance de balayer le pays dans le titan qui était. Et nous avons la caille pour nous faire connaître le ministère touriste inauguré jeudi à 3 débarquets dans 2 communes dans le département sud de PIA. Inauguration infrastructure ça a fait en présence de différentes autorités, parmi eux sénateur Hervé Foucan avec député Akéen Jean-Robert Bossé, Esaïe Kélus avec Wilson Idoré pour un compte rendu. 3 débarquets ça construit une commune Akéen avec des Saint-Louis d'Isside. Grâce à Kyo, habitants dans la communauté Sayo pour gagner plus de facilité pour exploiter les richesses naturelles et bien et puis aider plus de monde découvrir le potentiel touristique des communes Sayo. Construction 3 débarcades Sayo fait partie du projet qui porte nom Région intégrée aménagement touristique SID, ministère tourisme géré. Une démarche habitants dans la communauté Sayo salié d'après yo qui pral porter en pile pour yo dans activité économique yo. C'est bagage nous t'a prévu que qu'on y a non après. Moi même association financière du jeu. L'importance de la cadavre pour nous dans la vie, nous, parce que longtemps, nous avons péché, nous avons même des côtés pour nous vendre des produits, ce n'est pas Port-au-Prince ou bien au Caï. Nous espérons que pendant tout le temps, la paix vient là avant de sortir là, nous parlons de l'autre point économique, parce que non seulement nous avons vendre la Caï, nous avons payé les machines, nous avons monté à Port-au-Prince ou bien au Caï. Nous avons un touriste là, et nous avons un bateau que nous avons tout, économiquement parler de nous, nous sommes capables de prendre un touriste là, du fort des Anglais, du Bacadère à des forts des Anglais, des Olivier, pour le fort des Anglais. Nous croyons que du Bacadère là, c'est important pour nous, en pile, pour surtout pour pêcher comme vivre aux environs communes du Sud. Fait touriste là, c'est un secteur qui est capable de participer dans le développement commune Sayo, c'est sous le ministère touriste, à travers qualité projet Sayo, d'après ministre Émilie Jessiménos. Ministre touriste là annoncé divers lots de travail parmi eux restauration fort des oliviers ak fort des anglais pour faire zone ça tourner une destination touristique. Nous connaît que grand pile demande au niveau de population. Nous pas connait exactement si nous plaît si nous gagne plus bateau, si nous plaît gagne en chambre DCP là. Donc tout ça c'est pareil que nous va faire à la longue. Mais ça c'est première étape là qui s'était construite par Cadier là parce que nous pas gagne avant et qu'on y a là nous gagne gagne donc et député et sénateur pardon tout à l'heure il parlait aussi de et on débarcade dans gros sky dans tout tout à l'heure nous t'a survolé là tout nous ouais tout ça qui gagne tout ça qui mérite fait président paysan c'est pour ça que le mettait ministre particulièrement moi même ministère tourisme pour qui ça parce que nous gagne nous prend conscience de tout ça qui mérite fait président lance son caravane changement et caravane dans la ligne dans sud dans tout et la privée il arrivé à 15 jours aujourd'hui en côté que nous gagne et débarcade dans là qui fait là mais nous allons venir à Kentou et la continuer. Bientôt, nous allons lancer un inventaire.
inventaire de tout site touristique et de tout bagage qui gagne dans le pays. Parce que chaque temps, ils vont côté, et c'est ça que m'a dit en plusieurs fois, chaque temps, ils vont côté, ils vont dire que gon sous, gon grotte, gon bagage qu'a fait, gon bagage qui là. Donc, pour mettre fin à tout bagage, ça, nous allons répertorier, nous allons inventaire de tout site touristique qui gagne dans la ville. Construction Trois Sayo joue un financement Banque Interaméricaine Développement BID. Il a coûté $900,000. Voilà, amis TNH, c'est la journal là a fini pour jeudi. Avant nous aller, nous rappeler au Pico Point. La cérémonie officielle échange vœux déroulée mercredi 20 décembre dans le Palais National en présence de représentants trois pouvoirs l'État et membres corps diplomatique. Le ministère de l'Environnement a lancé une campagne pour porter la rue à l'occasion de fin d'année et une façon pour permettre à la population de mener activité dans l'espace propre. Responsable du ministère touriste inauguré trois débats cadets dans deux communes dans le département sud de PIA. Inauguration infrastructure ça a fait en présence de différentes autorités parmi eux sénateur Hervé Foucan avec député Akin Jean-Robert Bossé. Calfou Richesse réalisé jeudi 21 décembre dans une série exposition dans l'idée pour sensibiliser population à kembe environnement propre et puis des jeunes créer richesse dans pays a. Première dame République Martine Moïse a été visité activité sila et puis encourager jeunes. Assemblée générale ONU prononcé dernière décision sur le dossier Jérusalem, non, jeudi 21 décembre. Non. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.